tout le monde, c'est Séraphin, on est de nouveau sur Stellaris. À l'épisode précédent, on avait créé notre espèce, ainsi que tout le gouvernement et tout le Tintouin. Je vous invite à regarder l'épisode, je ne vais pas revenir dessus. Et j'avais présenté brièvement le tableau de bord. Par contre, j'avais rien dit au niveau des technologies, donc il n'y a pas d'arbre à proprement dit de technologie visible. C'est des cartes qui apparaissent aléatoirement selon ce qu'on a fait dans le passé, ça apparaît bien sûr, et selon notre avancement technologique qui fait qu'on a des cartes et on les sélectionne parmi nos trois scientifiques. Bien sûr, toute notre espèce a une espérance de vie, bien sûr, hein, chaque personne a un âge, et selon la race, selon nos éthiques, selon les choix qu'on a fait, meurt à un certain âge, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'avais zappé? Alors, ce petit truc-là, c'est assez sympathique. On voit le nombre de nos planètes, notre flotte militaire, qui se trouve. Hop, que je retrouve les boutons. Voilà. Voilà, donc on a trois vaisseaux, sont indiqués là, et la flotte est là. Par contre, la flotte n'a pas de leader. Alors on va en recruter un tout de suite. Qu'est-ce que t'as toi? Cadence de tir plus 20%. Point de coque des vaisseaux. On ne peut pas utiliser le saut d'urgence suprême mini-coquet et prudent. Eh ben on va mettre prudent. On va recruter lui. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc il a été recruté et assigné. Boum, voilà. C'est que maintenant on a un amiral pour notre flotte, peu importe le nombre de vaisseaux. Bien sûr, si on split la flotte en deux ou trois, on met plusieurs amiraux, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ici, donc on a un vaisseau de construction qui, pour le moment, va nous servir à rien. Mais il va servir bientôt, vous inquiétez pas. Et le vaisseau scientifique, donc je prends le vaisseau scientifique. On peut analyser chaque planète indépendamment, hein. Mais moi je veux pourquoi tu ne marches pas, d'accord, je l'ai désélectionné. Ok, tu fais reconnaissance du système en intégralité s'il te plaît et je lance la lecture. Alors au niveau des vitesses, ok, voilà, vitesse super lente, lente, normale, rapide, très rapide. Voilà, donc a quand même le choix. Oui, donc ça me dit que ça c'est sélectionné. Ok, moi je voulais voir la surface de ma lune, ma planète lune. Qu'est-ce que l'on a? Donc là on a. Ok, donc ça c'est construit. Là on a deux cases, on n'a rien, c'est un peu embêtant tout ça. Bien sûr chaque planète a des cases, plus de cases ou moins de cases, hein. Et ça c'est à démolir aussi. Niveau bouffe, toi on va t'installer tout de suite un machin, ça coûte pas cher. Voilà, fabriquer de la bouffe en plus. Bien sûr, plus on a de nourriture, plus la population va grandir vite. Donc qu'est-ce que tu m'as découvert pour le moment? Rien. Ouais, tu m'as analysé quoi? Ah, anomalie, 30% d'échec, donc pour le moment. On va pas l'analyser, un vaisseau abandonné. Ok, donc ça on verra plus tard. Donc bien sûr l'anomalie, elle reste. Donc il n'y a pas de problème, même en vue galactique, logiquement on le voit, voilà. On peut attendre que justement notre scientifique soit plus évolué pour analyser ce truc plus tard. Bon, on va accélérer un peu quand même parce que là, même pas de construction, il n'y a rien du tout. Oh, rien, rien, rien. C'est hallucinant.
On n'est pas chanceux du tout. J'espère que dans les dernières, même dans les Astories, il va y avoir quelque chose. Ah, de l'énergie. Du coup, là, on prend le vaisseau de construction. On lui fait construire une station minière. Alors, minière, ne veut pas dire qu'il va me récolter des matériaux. Par contre, il va me récolter l'énergie. Construction complete. Ok, ouais, mais du coup, ça me l'a pas fait. Voilà. Donc, ça, c'est la construction que j'ai fait sur la planète qui s'est terminée. Alors, encore de l'énergie ici. Wow, 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 wow. Nous avons rencontré des vaisseaux. Alpha Alien. Parfait. Ok, alors. On tire un peu le temps parce que j'ai l'impression que ça va trop vite là. Un leader est passé au niveau supérieur. Cool. Ça, c'est cool. Donc, alors, on a trouvé quelque chose. Voilà. Faire rechercher. Bien sûr, quand on recherche ça. Voilà. Lui est occupé par le projet de recherche que j'ai fait. Donc, du coup, le vaisseau de colonisation n'avancera pas. Mais c'est pas trop un problème parce que, bon. System survey La complete. recherche. Oh, voilà. La recherche dure. Durait 160 jours, je crois. Et le vaisseau de colonisation, c'est pas super urgent tout de suite. Alors, bah là, on s'est remis en lecture. Le vaisseau scientifique a fini de rechercher. Donc, au final, on gagne quoi? On gagne que de l'énergie et pas de minerai. C'est dommage. Les matériaux, c'est ce qu'il nous faut. Donc. Oh, il y a un vaisseau là, d'accord. Tu vas aller m'analyser tout ce système-là. Donc, et en plus, c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est vrai qu'on est en bordure là, donc on est assez tranquille là-dessus. Par contre, on va voir que. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas d'autres espèces pile poil à côté de nous, sinon on va être bloqué. Alors, bien sûr, on peut s'étendre en largeur. En largeur, je vais y arriver. En largeur, en colonisant le maximum possible. Ou plutôt en ce que j'appelle en hauteur, c'est-à-dire moins colonisé de planètes, mais une technologie plus conséquente et plus stratégique. Il y a vraiment toutes sortes de façons de faire sur ce jeu qui est plutôt sympa. Alors je sais pas trop encore ce que je vais faire. Pour l'instant, j'avance à mon rythme, on verra bien. Donc là, toi, t'es bien dessus. Ordre de flotte terminé. Ok, donc le vaisseau de construction est fini. Attaque. Ouais. Oh, il y a des. Il y a des mondes. Il y a des mondes. J'espère qu'il y en a un colonisable. Tac, on revient sur la nôtre. Le vaisseau de construction, tu vas ici me faire à nouveau. Une centrale énergétique, on va être bien au niveau énergie. Hein. On va être très bien. Sur la surface, encore une anomalie, 30%. Bah non, tu recharges pas. Niveau de difficulté 2, apparemment, ouais, c'est ça. Pour le moment, voilà. Est-ce qu'on a du minerai ici? Oh, qu'est-ce que c'est? Monde de la flotte hostile. Ah. Ok. Situation log updated. Check. C'est les miens, ça, non? Alors, 75, 75. Oh là là. Il n'y a pas moyen que j'en fasse un autre. Spatioport. Construire, ça coûte combien? Corvette, ça coûte que 50. Ouais, j'ai un peu de marge. C'est tout en construction. Special project ah, complete. ça va, c'est assez rempli.
a des sons que je sais pas d'où ils viennent. De toute façon, le chasseur là. Ouais, ok. Ça c'est quoi ça? Suivez la carte, ok. Se termine dans 180 jours. Allez hop. Ils sont pas déplacés là-bas, non, c'est bon. Tac, tac. Ça, on va l'annuler aussi. Mais le vaisseau de construction, il... D'accord. Evading hostile fleet. Ah d'accord, parce que il y a une flotte hostile, tu peux rien faire. Passive. Et là tu peux. Oui, c'est bon. De toute façon, elle bouge pas la flotte, donc on est assez tranquille là-dessus. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Oui, tu m'as trouvé du minerai. Alors, il a pas fini encore d'analyser tout. Mais il m'a trouvé des trucs, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on est à combien? On est à 4 sur 12. Ouais, bientôt, bientôt, bientôt. On va aller combattre tout de suite ces machins-là. Alors, j'ai fait 2 vaisseaux de plus pour être sûr de ne pas avoir l'intégralité de ma flotte détruite, parce qu'ils sont au même niveau que moi. Bah, ils étaient au même niveau que moi. Maintenant, je suis à 100 d'attaque, donc... J'attends juste que le dernier sorte, et puis on y va. Non, enlève-toi, toi. Ah, c'est toujours le même qui recherche les trucs. Ok. On va accélérer, histoire que ça se dépêche de sortir. Voilà, on prend la flotte. Oui, oui, ok. Et vous allez me combattre ça. Voilà. Alors, comme je disais, c'est... l'une des méthodes les plus lentes que j'ai pris pour voyager dans l'espace. Surtout entre deux étoiles. Mais bon. Alors on va ralentir le temps de qui s'approche. Voilà. Le combat commence. Alors ici c'est moi, ici c'est eux. Bien sûr, c'est pas des aliens, hein, c'est des pirates de mon peuple. Bon bah, à l'aise, hein. Si on pouvait ne pas en perdre, ça serait encore mieux, mais ouais, ça devrait se faire. Alien drone minier. C'est bien un poste d'écoute, on gagne quoi? Observe le drone minier, ok, et... On va faire ça. Après, il y a certains messages, comme on vient de voir, qui peuvent réapparaître plusieurs fois dans la partie. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, ça c'est la carte de combat. Ça c'est quoi? Il est mort ou... Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est pas mort? Ah non, il est peut-être à moi celui-là. Enfin, je crois. Nouvelle anomalie, 22%. Alors, on va la tenter. On va la tenter, celle-là. Bon, alors, toi, tu vas te faire réparer. Voilà. Mon vaisseau scientifique, t'en es où, toi? Ok, ça... Il y en a combien là?
Celle-là, bah après tu vas aller m'analyser les débris qu'il y a chez moi. Un suivant, projet de recherche. Attends, j'en vois bien deux, non? Puissance média. Hein. Bon, bah c'est pas grave, on va laisser comme ça, on verra bien. À moins que ça soit là-dedans. Neutraliser et saisir vos propres drones captivants. Ok. Ça, c'est mes débris. Ok. Ça, c'est quoi ça? System survey complete. Ok, bon, on verra plus tard. On verra plus tard. On va pas trop s'attarder là-dessus non plus. Vaisseau de construction, tu m'as fait le truc. Apparemment, oui. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça c'est bon. Donc, j'ai pas beaucoup de trucs. Ouais, vaisseau de construction, j'ai vraiment pas beaucoup de minerais. Ça me coûte 90, 102. J'en gagnais 2 ici, 2 ici, 2 ici. Là, bah, c'est des anomalies. Là, c'est de la recherche. Et derrière, c'est de la recherche aussi. Été entièrement réparé. Ok, nickel. Tac, tac, tu m'enlèves tout ça. Tac. Surface, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, on a un peuple qui s'installe ici. Qui est installé ici, pardon. Hein, ici. On a vraiment rien sur notre planète. Ok, du coup, on va retourner là. Comment ça se fait qu'ils me disent que j'ai deux minerais pas analysés? C'est quoi ce bordel? Ah oui, là! J'avais pas vu. Ok, donc notre réseau de recherche est en train de bosser. Ça y est, mais ça. Ok. Récupérer un maximum. Ok. Vaisseau militaire en orbite. Ok, donc les vaisseaux militaires. Celui-là, j'ai jamais fait ce truc-là, donc je sais pas. Faut libérer des gens, apparemment. Mais jamais arrivé encore, donc première fois. On est à combien? On est à 18 minutes. On va avancer un peu le temps. J'espère pas que j'oublie que. Vaisseau de construction, du coup, à la suite, tu vas nous faire un truc ici. Parce que, du coup, je l'ai oublié. Alors, débris analysé. On gagne 5 points. Ah, cool. Du coup, mon vaisseau scientifique, je peux l'envoyer ailleurs. Reconnaissance du système, voilà. Special project complete. Situation log updated. Ok. Non, des messages comme ça, il y en aura énormément. Hein. Un vaisseau, recherche. Ok, donc on a plein de petits trucs à faire. À suivre, mais ça on le fera par la suite. On va essayer déjà de se développer. Ok, ça c'est pour les drones. Ok. Mon vaisseau de construction est où? Parce que là, du coup, tu m'as fabriqué ou pas? Et tu me l'as pas fait? C'est quoi ce bordel? Il est en train de me construire ici ou pas?
Oui, il construit, il a construit, c'est bon. Du coup, tu viens là, cette construction. Tu m'en mets un ici. Allez, dépêche-toi. Ah, donc je suis déjà à plus 11. 13. Donc je serai à 17 avec ce système par mois. Ce sera déjà beaucoup plus intéressant. Là-dessus, on est pas mal. Donc on a plus 7, donc on est en positif, donc on est tranquille. Research complete. Ah, voilà. Alors, hop, je mets pause. Alors, la recherche du panneau solaire est terminée. Ok, alors qu'est-ce que tu vas nous rechercher? Des boucliers. C'est des boucliers énergétiques, si je dis pas de conneries. Ouais. Capacité de stockage d'énergie besoin et centre d'alimentation. Ah, ok. Vitesse de recherche plus 5, ok. Espace capteur gravitationnel. Ok, bah tu peux mettre les boucliers. Voilà, les autres 16 mois et 24 mois, d'accord. Et moi, malgré qu'il a cherché pas mal de trucs, au final, il est toujours bien avancé, quoi. Alors j'enlève la pause, on repart en accéléré. System survey complete. Qu'est-ce que c'est que ça? Système sondé. D'accord, tu m'as sondé tout le système, on remet en pause. C'était là. Oh, il n'y a que ça, sérieux? Oh là là là. On est plutôt mal barré, je crois. Ouais, si je sais que ça ne passe, ça va pas le faire. Ah, reconnaissance système. Alors, je pourrais fabriquer un deuxième vaisseau et tout, mais je préfère avancer lentement pour le moment. Hop. Ah oui, donc par rapport en vue galactique, quand c'est vert, c'est à nous, hein, tout simplement. Donc, une fois que toute la ressource d'un seul truc est prise pour nous, c'est marqué en vert, donc on est tranquille là-dessus. Qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que quoi? Un leader. Ok. Ok, vaisseau de construction est terminé. Alors, on va lui en mettre d'autres à la suite. Ah, on n'a pas assez de minerais. Est-ce que c'est faisable, même si on n'a pas assez de minerais, de le lancer direct? Non, on peut pas. Bon. Tant pis. J'aurais essayé. Bon, on est à 22 minutes. Je vais remettre en vitesse normale. Voilà. Le vaisseau de recherche est parti. Ici, qu'est-ce qu'on a? Notre planète. Niveau bouffe, on est comment? À 3. Ok. Et là, on a surtout de l'énergie dont on n'a pas besoin pour le moment. La recherche et encore de la bouffe. Bah, du coup, tu vas me déblayer ce terrain-là. Puis la population qui est là, on va la mettre directement là pour la nourriture. System survey Euh, complete. ensuite. Armée de défense, je vais quand même en recruter tout de suite. Alors, on a les armées de défense et les armées d'assaut, comme j'avais expliqué. Défense, oui, c'est ça. Recruter. Oui, bah non, je vais juste cliquer dessus. Ah, qu'une seule, d'accord. Ok, bon. Et le spatioport, logiquement, on va pouvoir mettre les panneaux solaires. Ce sera dans le prochain numéro, si on n'a pas les minerais. Et ça passe vraiment très vite et on a l'impression qu'on n'a rien fait. Ah, le jeu se base très lentement. Alors, y a des, en plus, il est possible en multijoueur. Et c'est limite s'il faut pas prévoir une ou deux ou trois journées même je dirais pour faire une partie complète quoi. Donc voilà tout le monde, donc moi je vous dis la suite au prochain numéro. Allez, tchuss!